t'arrives pas à la PTL par hasard. Il faut beaucoup d'envie, quoi. Il faut vraiment beaucoup d'envie. Donc c'est beaucoup de sacrifices pour la famille. En avoir ras le bol, c'est pas une option. Tous ceux qui font des stratégies, au bout de 2 jours, ils abandonnent. Alors nous, on a décidé de pas en avoir. Comme ça, au moins. Petit pas après petit pas. C'est comme ça qu'on avance dans la montagne. Pour nous repérer tout au long du trajet. Voilà. Et quand ils nous envoient un message, je réponds yes, ok. Ça va, c'était quand même très dur le départ là, avec l'enchaînement des grosses montées. Traverser de plan glacé assez sport, mais ça va bien. Écoute, super accueil au refuge et puis on a géré, donc ça va. Puis là on est content d'aller au compta pour aller manger un bon petit plat. Ça va faire du bien et comme ça petite pause avant d'attaquer la nuit. Sun's coming up, feeling good. Yeah, a bit tired, hungry, but okay so far. Going as fast as possible without eating. It's supposed to be a marmot. Have a nice day. Wish you all the best. La corde, et voilà, et il me tire. Alors, ça c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de cordée. On trouve qu'il y a beaucoup de cailloux. Il a fait chaud, hier il a fait chaud, on a eu chaud. J'ai eu un petit passage à vide l'après-midi, puis après ça a été mieux. Et puis on a réussi quand même à avancer correctement comme on voulait. Ça va et vous? Topissime. Trop bien. Trop la classe. C'est vrai. Ouais. Ouais. Météo comme ça. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Woohoo! Yeah, privilege to be here. So far it's been good. I hear the PTL starts now. So far it's been a park run. They say. They say. The uphill was very hard and long with all these loose stones. Yeah, it's PTL. Sometimes it's hard, sometimes it's very nice, like now. Ça se mérite là, hein, de venir ici, hein. Faut payer cher. Hein. C'est vrai que ça fait appel pour moi à une qualité importante, c'est la persévérance, savoir finir ce que tu entreprends. Well, PTL is going on. Experience doesn't need to be good, it must be just strong. Lac de Vernet et on est au le petit Saint-Bernard. Le petit Saint-Bernard. On va pouvoir manger et dormir. Et dormir un petit peu, ça va faire du bien. Mon GPS il dit on monte par là, on descend là. On s'est enfilé dans un pierrier, on a fait quasiment 5 km de pierrier, environ entre 45 minutes à l'heure et une heure au kilomètre. Ce qui c'est le charme de la course, hein, c'est que tu peux rien prévoir. On ferait pas ça si tu pouvais tout calculer, hein, ça serait moins atypique. Ouais, aujourd'hui c'est 56 et ouais, 5002, 5003. Il y a 2 jours consécutifs là où il y a pas mal de dénivelé quoi, entre Morget et Trian quoi. Ah bah on a fait la moitié, à peu près. On aura à peu près la moitié à Frasati. Franchement c'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple, mais on a eu du bol, on a fait des paysages de dingue. Mais là 4 heures en 48 heures de dodo, ça fait pas beaucoup. Le pied pyrénéen. Petit repas bien mérité. Ouais. J'avoue, ça passe bien. Un abandon aux contamines et le fait de pouvoir s'appuyer sur 2 autres équipes, ouais, c'était vraiment génial. Sur les sections difficiles, c'est-à-dire toutes, c'était top. Okay. Good luck guys. Bye bye. T'as beau avoir la trace GPS, ça peut être très simple sur le papier de suivre une trace. Au final sur le terrain tu peux passer des heures à jardiner. Pour le moral en fait c'est horrible. Déjà ma journée maintenant je les aborde en 2 jours parce que je viens de me rendre compte qu'en fait dans une journée 24 heures et que tu peux faire 2 jours dans une journée. Moi ouais, bah du coup, bah, je peux pas finir donc de toute façon. Tu arrêtes ou... Ouais, j'arrive plus, vraiment, j'ai fait. Il reste 70 bornes. Ouais. J'ai fait, voilà. Après, je l'ai posé un peu comme ça à plat. Ouais. Et là, tu vois, ça me fait hyper mal. Et là, de toute façon, c'était plus acceptable. Ça fait 2 jours qu'il se bat contre la douleur. Il pensait que c'était des ampoules qui se dégradaient. Et en fait, c'est autre chose parce qu'il peut plus poser le pied par terre. Allez, gueule. Regarde, on y va. C'est bon ? Ouais. Qu'est-ce qui est pire? Monter en plein soleil ou monter de nuit? Je sais pas. Oh la vache! Je vais m'allonger un... C'est quoi, tu... Je vais m'allonger un coup là. puis il faut mentaliser le moment où on va passer la ligne, quoi. Ça aide beaucoup, hein. Ça aide beaucoup, quoi. Surtout qu'on a nos familles qui sont derrière nous et qui comptent sur nous, quoi. Ça va, Pierre ? Ta conjointe qui valide des sorties les week-ends, le soir et tout, alors que tu pourrais finalement allouer ce temps-là à la famille. Donc c'est quand même, on le fait pour nous, mais aussi un peu pour eux, quoi. Yes.